Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et ça fait presque 3 semaines que j'ai pas filmé, du coup ça me fait un petit peu bizarre. J'ai filmé ma vidéo de Noël et puis c'est tout. Après je vous ai donné quelques nouvelles sur Facebook notamment, en vous disant que je ne posterai pas parce que j'étais pas en forme, parce que j'avais pas envie, parce que j'étais un peu démotivée aussi. Il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées en ce début d'année et 2017 commence pas très follement pour moi. Et puis il y a plein de choses qui se préparent, il y a les partiels, il y a mon déménagement. Du coup ça fait que j'étais pas mal prise. Je vous ai posté normalement, si, enfin vous avez dû la voir, ma vidéo des soldes, ma première partie. Donc voilà, c'est une vidéo, enfin c'est banal, je vous montre ce que j'ai acheté sans vraiment vous expliquer. Et je trouvais que c'était quand même plutôt normal de revenir en vous parlant un petit peu. Vous avez été très très nombreux et vraiment j'étais étonnée, vous avez été peut-être plus d'une cinquantaine à m'envoyer des mails, des messages en Insta direct, quelques messages aussi sur Facebook, en me demandant ce qui n'allait pas, en me demandant si j'allais arrêter YouTube, en me demandant si j'avais arrêté l'école, en me demandant si quelqu'un de ma famille était mort. Enfin, vous êtes partis un peu loin, alors je vais pas dire ce qui s'est passé parce que c'est quelque chose de personnel et que je veux pas exposer ma vie sur YouTube, ça ne regarde que moi. Mais j'avais pas du tout envie de filmer et j'étais vraiment pas bien et j'avais vraiment besoin de me concentrer sur moi-même. J'ai beaucoup vu mes amis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu Noël. Enfin, avant Noël, déjà j'étais pas très bien, je me posais beaucoup de questions par rapport à l'école, par rapport à ma vie à côté aussi, et du coup il y a eu les vacances, donc les vacances de Noël c'est formidable, on voit toute sa famille, on voit ses amis, je suis beaucoup sortie pendant les vacances, tous les soirs je voyais des gens, j'avais des sorties de prévues. Enfin voilà, je me suis amusée, j'ai profité de ma famille, j'ai revu mes cousins et mes cousines, j'ai revu ma sœur, j'ai revu... Enfin voilà, j'étais bien, j'étais entourée et tout allait bien. Puis après je suis revenue à Bordeaux et je me suis retrouvée dans un appartement que je n'aime plus, où je me sens plus bien. Et il y a eu autre chose qui s'est passée à côté qui a fait que vraiment je ne pouvais pas filmer. C'était impossible pour moi de filmer et là encore aujourd'hui, c'est pas trop la joie en fait, enfin c'est... Là je filme, je vais pas dire que je me force parce que je me dis, enfin je sais que YouTube ça me fait du bien et je sais que c'est une passion pour moi, donc forcément ben ça va me remonter le moral, mais voilà, je sais pas, j'ai vraiment, j'arrive même plus à m'exprimer, enfin vous voyez, je pense que je vais pas beaucoup couper dans cette vidéo, comme ça ça me permet aussi de que ce soit un peu plus naturel. Donc je me suis beaucoup remise en question et je me suis retrouvée ici à être un peu toute seule. En fait, quand on est beaucoup entouré et que d'un coup on revient, et ben on bade un peu. Et moi, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Tous les dimanches, par exemple, quand je reviens, ben, ça me fait déprimer d'être ici toute seule. Du coup, j'ai des amis qui sont vraiment géniaux, qui m'ont beaucoup entourée là pendant une semaine et demie, deux semaines même, déjà. Et du coup ça fait que ça va un peu mieux, donc j'ai bien profité d'eux, on a fait des projets, on va partir en vacances et tout ça avec mes copines de l'école. Du coup ça fait que ça me permet de me remonter aussi le moral. Il y a les partiels qui arrivent, donc forcément c'est pas forcément des moments qui sont super agréables, c'est un peu stressant. Je vois tout le monde stressé autour de moi et du coup ça arrange pas les choses. Donc mes partiels sont dans une semaine et demie. Même pas, dans une semaine quand vous voyez cette vidéo, je pense que je vais la publier dimanche à mon horaire habituel. Du coup voilà, dans une semaine et un jour c'est les partiels, donc c'est vrai que je me suis aussi pas mal concentrée sur mes révisions et du coup YouTube s'est un petit peu passé à côté. Mais j'avais pas, en fait j'ai eu l'impression vraiment de vous abandonner, parce que dans vos messages sur Instagram, surtout sur Instagram, vous étiez trop mignons, parce que en fait c'était pareil, j'avais pas envie non plus de poster sur Instagram et vous savez que je suis quand même assez assidue, je suis un peu psychorigide des horaires de publication, je poste toujours mes 3 photos par semaine et tout ça, et mes 2 vidéos sur YouTube, j'ai jamais loupé une horaire de publication. Et du coup voilà, même sur Instagram j'y suis plus et puis j'avais pas la tête à ça. Du coup vous avez été mais super nombreux à vous inquiéter pour moi et du coup ça m'a fait encore plus culpabiliser de me dire que pour pas grand chose au final, eh ben, j'avais l'impression de vous abandonner. Donc j'essaie toujours de répondre à vos messages, à vos commentaires, mais ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on est un peu plus nombreux aussi. J'essaie de...
de répondre quand vous me posez des questions, quand vous me racontez plus vos histoires, vos vies. Là, c'est sûr que je prends vraiment beaucoup de temps à répondre. Mais parfois, j'ai l'impression que ça suffit pas, que ça vous suffit plus. J'ai l'impression que mes vidéos ne vous suffisent plus non plus. Alors moi, c'est vrai que je suis un peu démotivée par rapport à la qualité de ma caméra, parce que j'ai très envie de changer de caméra. Mais une nouvelle caméra, ça coûte vite entre 500 et 1000 €. Et clairement, j'ai pas envie de mettre cet argent là-dedans. Comme je vous ai dit, je vais déménager, donc ça va me coûter cher. Je vais avoir un appartement qui sera deux fois plus grand que celui que j'ai là, donc forcément il va falloir le meubler. Donc là, genre, je vais le meubler, enfin dans un mois je déménage, donc c'est maintenant quoi que j'ai besoin de dépenser l'argent. Et l'argent, je vais pas la mettre dans une caméra juste pour améliorer la qualité, parce que c'est un petit caprice de... C'est mon petit caprice du mois de janvier, non. Donc c'est vrai que ça me démoralise de savoir que je vous propose pas forcément du contenu de qualité. Après, vous avez... Enfin, je sais que mes abonnés ne s'en plaignent jamais, jamais sous mes vidéos, ou très rarement. Vous vous plaignez de la qualité, ou ça vous plaît pas. Mais moi, j'ai l'impression que ça me suffit plus. J'ai plein d'idées de vidéos, mais j'ai pas la motivation de les faire. Donc aujourd'hui, voilà, je me suis posée, je vous ai parlé. Ma vidéo des soldes, j'avais envie de vous la faire parce que c'est un rituel pour moi de la faire. J'ai quelques idées de vidéos pour la Saint-Valentin, mais après, est-ce que je vais reprendre un rythme comme j'avais avant de 2 vidéos par semaine? Honnêtement, pour l'instant, j'en ai pas envie. Et je sais pas pourquoi. Alors, aidez-moi s'il vous plaît. Non, mais je sais pas pourquoi. J'ai pas cette envie pour le moment. Alors peut-être que tout est lié, et très certainement tout est lié, mais pour l'instant vous attendez pas à avoir ma tête tout le temps, surtout que pour Noël je vous ai fait une semaine de vidéos, et ça demande beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'énergie, et ça fait qu'on est en contact avec vous tous les jours. Tous les jours on a 50 commentaires à répondre ou 100 commentaires à répondre. Ça fait que forcément on a beaucoup d'interactions avec vous, et d'un coup tout s'est coupé. Donc je comprends que ce soit un petit peu particulier. Même pour moi c'est un peu bizarre, mais voilà. Du coup cette petite pause m'a permis aussi de me rendre compte que ça fait 3 ans que je suis sur YouTube et qu'on est 14 700 ou 14 600, enfin je sais pas, on est un peu plus de 14 000. Et pour moi c'est énorme, même si pour certains avoir 14 000 abonnés c'est très peu, pour moi c'est énorme, je suis très contente des abonnés que j'ai, je peux vous répondre à tous, je reconnais vos petits pseudos, je reconnais vos visages, certains je vous vois en vrai, donc forcément ça me fait toujours plaisir. Mais où est-ce que je peux aller avec YouTube? Est-ce que je vais pas vous saouler? Donc voilà, je suis un peu perdue au niveau de tout ça. De toute façon, je pense que vous voyez vraiment cette vidéo que c'est un peu brouillon pour moi en ce moment. Il y a trop de choses en fait, c'est trop... je sais pas pourquoi, mais vraiment 2017 commence très mal pour moi. Déjà tous les jours il m'arrive une merde, même si c'est pas grave. Donc voilà pour cette vidéo, je sais pas trop ce que je pouvais vous dire d'autre, mais j'avais vraiment envie de me poser et de vous parler. Voilà, on peut pas aller toujours bien, on peut pas être toujours au top, et moi si je suis sur YouTube c'est pour aussi vous apporter de la bonne humeur. Vous savez que dans mes vidéos j'essaie toujours d'être joyeuse, de... En fait je suis moi-même vraiment dans les vidéos, et là vu que ça n'allait pas forcément, et j'avais pas envie de retranscrire ma sale gueule en fait. Même là je sais que j'ai une intonation de voix un peu lente, je fais pas les mêmes blagues que d'habitude, et je sais que c'est pas pareil. Alors vous allez me dire dans les commentaires si vous trouvez que je suis pareil que d'habitude. Mais voilà, ça me fait plaisir de tourner, mais je suis pas sûre de la suite encore de mon aventure sur YouTube, et je suis pas encore sûre de mon rythme de publication. Je pense que je vais plus publier quand j'en aurai envie. Je vais essayer de vous sortir au moins une vidéo par semaine, c'est sûr. Après, est-ce qu'on restera sur 2, ça je sais pas. Moi ça me fait quand même très plaisir de toujours avoir votre soutien, avoir vos messages, avoir vos commentaires, avoir vos pouces bleus, avoir vos abonnements, parce que mes abonnements ne diminuent pas, mes abonnements ils augmentent tous les jours un petit peu. Et moi le temps en fait il y a une progression, je vois pas pourquoi j'arrêterai, et ma remise en question elle est... Je peux pas la faire au niveau de ça en fait, parce que c'est pas comme si je perdais des abonnés. Là je pourrais me dire putain mais Lucie tu perds des abonnés, il y a forcément un problème, réveille-toi quoi. J'ai pas non plus envie de vous faire des vidéos extraits pour faire du buzz. Alors forcément il y a toujours des vidéos qui marchent mieux que d'autres, les vidéos cadeaux de Noël, les vidéos soldes, les vidéos story time parce que ça a été la mode cette année. Mais en soi j'ai pas envie de vous faire la vidéo à la mode juste pour la faire. Moi j'ai juste envie de faire les
les vidéos que j'ai envie de faire et pas me prendre la tête. Après, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Arrêtez de me demander des routines parce que tout seul, moi je trouve que c'est vraiment galère. J'ai un trop petit appartement pour faire des routines. Dans mon nouvel appartement, je pense que ce sera... bah, peut-être un petit peu plus réalisable. Donc voilà, je déménage dans un mois, ça va être pareil, j'aurai très certainement pas de connexion internet pendant quelques jours. Donc comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut que je prépare mes vidéos à l'avance? J'en sais rien. Honnêtement, voilà, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que c'est quand même plutôt important de me suivre là-bas, surtout sur Instagram où je vous dis beaucoup de choses et sur Facebook. Donc je vous mets les liens en barre d'infos, et puis en fait toujours et tout est toujours répertorié dans la barre d'infos. Vous ne le disiez pas assez, les barres d'infos, mais il y a les liens, et même à la fin de mes vidéos, vous avez une feuille récapitulative où il y a tous mes réseaux, donc n'hésitez pas à aller me voir là-bas. Donc voilà, moi j'ai aussi Snapchat où je vous parle plutôt de... En fait c'est plus ma vie privée sur Snapchat, parce que c'est mon Snapchat perso que je vous donne. Donc des fois vous me dites, mais pourquoi tu fais pas des stories genre avec ma tête en face cam, en vous racontant votre journée? Bah honnêtement, parce que j'ai pas envie que les gens que j'ai sur Snapchat de ma vie personnelle subissent ça. Déjà des gens, je les vois dans la vraie vie, ma tête normale ils la voient tous les jours, donc je pense pas qu'ils aient besoin en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre quand même sur Snap. Donc voilà, il y a des trucs un peu plus personnels. Sur Instagram, j'essaie de publier souvent des photos. Et puis il y a également Facebook où je vous relais mes vidéos, je vous relais mes concours. Et puis il y a Twitter où pareil, je raconte ma vie. Clairement, je vous raconte ce que je regarde à la télé le soir ou des trucs comme ça. Enfin voilà, Twitter c'est vraiment le réseau social un peu où tout le monde raconte sa vie. Donc je pense que je vais arrêter cette vidéo là parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros malaise. Je sais pas pourquoi. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. J'essaie de vous revenir un petit peu plus en forme très bientôt, la semaine prochaine très certainement. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vais essayer de reprendre les crash tests aussi, parce que ce sont des vidéos moi qui me mettent de bonne humeur et que j'adore publier. Donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à mettre tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez envie d'être prévenu des vidéos, et à appuyer sur la petite cloche. Je vous ai pas fait, voilà, justement la vidéo disclaimer et tout là, en vous disant que YouTube faisait n'importe quoi. Oui, l'algorithme YouTube a changé. Appuyez sur la cloche pour être au courant de quand je sors une vidéo. Point final, c'est juste à côté de s'abonner, vous avez une cloche et ça vous met une notification quand on publie. Ça vous permet d'être averti et puis pas de louper les vidéos, c'est tout. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous. Bon courage à ceux qui passent les partiels, bon courage à ceux qui reprennent les cours, et puis les vacances arrivent très bientôt. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui n'auront pas de vacances. Moi j'ai pas de vacances en février, mais je vous fais quand même à tous de très très gros bisous et à très bientôt.